Exode 4 verset 21 à 23 m'appelle l'inversion Louis second sougain bible suis avec moi Sous pas gain bible c'est pas grave respectez parole là dans cœur pendant ma fait lecture ça pour L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte vois tous les prodiges que je mets en ta main tu les feras devant Pharaon et moi j'en ducirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple tu diras à Pharaon, Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Parole du Seigneur, et peuple bon Dieu a captant dit Amen. En nous prier le Seigneur, Amen, en nous prier le Seigneur, bien-aimé. Tendre pèr, papa nou ki nan siel la nou beni nou, nou exalte nou pou gras e privilej wakode nou ankon an fwa soya pou nou atable nan prizansou. Sènyèr, page meyèr nouritur pou nanm nou ke parol nou. Mem jonsal mis lan di, parol nou se tankou yon lamp ki nan pie nou kap klerè chi men nou. Nou zo mersi de se kote ki tel pou nou sènyèr. E se parol sa kap instrui nou alò ke nap mache de se kote de l'eternite. Chak pa nou fe, nou vle l gide Seigneur Diyo pa parol ou, par volonto ou joun eksprime la traver la biv. Matman do sil te ple papa, ede nou, ke sa ki va di yo aswe, yo va di pou gloar nou, wo. e ke yo piti fi ou piti gason kap tende, yo pa ptende voy yon nom, me yo va tende vwo kap parli a traver yon moun, e ke nom yo va joun yon parol Seigneur, ki pou fortifiye, e ki pou pran rasine, se priyer nou per. au nom de Jésus-Christ, petit toi nous prier. Amen. Amen. Assoya bien-aimé, nous prêts à rentrer dans un enseignement que vous connaissez très bien. Le Seigneur m'était sous cœur moi pour me retourner sous le lit à partir de verset ça nous saute ou bien passage ça, c'est l'enseignement sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je nous connais la parole de Dieu enseignée que c'est par la grâce que nous sauvés par le moyen de la foi. E sa pa vini de nou, se yon don gratuy de Diyo. Men souvan, bien eme, li pa toujou fasil pou nou sonde, pou nou entre en profondeur nan objè de fwa sa. Sa ki fè sa lounou. De fwa nan marchè avèk le Seigneur, men de fwa nou gen dout, nou pa medite ase. E mpa kwen ap jom fin medite sou sans graz, bon Diyo. Aswe a le Seigneur mette sou ke mwen. pour me retourner sur doctrine fondamentale ça de la grâce de Dieu et n'a fait ça à partir de passage nous liant dans Exode chapitre 4 c'est un passage qu'on connaît bien tout au moins moi espéré ou familier avec histoire histoire ça sortie israël en égypte non passage nous liant bon dieu et moïse mes bien aimés et voyait en mission, mission pour la libérer Israël, qui est en servitude, qui est en esclavage, dans le pays l'Égypte. Et bon Dieu, bah et Moïse, y ont promesse, lui fait le promesse formelle, que mission voyait-le accompliant, la réussit. L'Orline, en Exode chapitre 3, verset 19 à 20, l'Éternel Dieu dit à Moïse Je sais que le pharaon ne vous permettra pas de partir. S'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Bon Dieu, qui fait Moïse, qu'on est, mais à qui ça pour l'attendre? Pharaon, pas laisser peuple peuple aller de gaieté de cœur. Pharaon pourra aller résister à Messaïsa. Bon dieu bay Moïse poté an. Men bon dieu gèta averti Moïse, ou pa bezon fatigo, m'ap intervenu, e m'ap frape l'Egypte, m'ap fè prodige mwen manifestè, de tel sot ke fararon, pap gen lot chwa ke kito ale. Bon dieu bay Moïse, pou vwa, pou li eksersè an prezans de fararon, pou fararon ka lese pepla ale. Lo al li nan, nan chapit kat lan, dans en premier verset, ou wapoé bon Dieu dit Moïse, mais quelle qualité euh, prodige pourrait l'exercer devant Pharaon. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu voyez Moïse, dans verset dans, dans verset 21 chapitre 4 nous sommes lion mais bon Dieu dit le y a, que les même bon Dieu il prend le travail en coulisse, il prend le travail en secret pour l empêcher Pharaon répondre de façon positive à message Moïse-là. Par bah, contre, si vous remarquez, ça qui passé, bon Dieu voyait Moïse aller, bon Dieu, bah, Moïse garantit que mission, le niveau, il a accompli, a réussi, mais en même temps, bon Dieu dit Moïse, moi pral endurci que Pharaon. En d'autres termes, moi le passé en bas, moi fait, mettez Pharaon en situation pour qu'elle vienne pidu pour ne pas quitter le peuple-là aller. Ma Moïse qui la déclaration ça de l'Éternel, qui a fait face à toutes sortes de confusions. supposez Moïse qui a dit, mais à l'heure, c'est où -ce qui voyait m'aller pour m'allemander pharaon pour quitter le quitter peuple ou aller. moins pas de fin comprendre raison qui fait, ou même encore endurciquel, pour ne pas quitter le peuple à aller. Et passage ça, ça, bien aimé dans le Seigneur, son passage jusqu'à présent qui. fè euh, anpil debag, anpil interpretasyon, e mèm gè anpil konfüzyon. Gè moun ki di, mè si bon dieu an dursi ke fararon, koman li ka rande fararon responsab, pwiske se li mèm anko l'Eternel ki an dursi ke li. Fararon pat genyen libertè pou li chwazi libreman ki te pepla ale, pwiske se l'Eternel ki an dursi ke. Li. Bien eme Aswoyam vle tout sepleman À partir de passage ça, faut comprendre doctrine de la grâce. Mais pas et ça, c'est un passage qui expliquait, qui permet de nous comprendre comment mon Dieu sauvait nous. L'enducissement du cœur de Pharaon, il y a trois façons pour considérer, trois bagages pour considérer, pour étudier passage ça qui permet de comprendre comment moi-même avec vous nous sauver, comment le salut par la grâce nous rentrer là-dedans de mes bien-aimés dans le Seigneur. Premier bagaille, m'a considéré, premier point, bon Dieu lui voulait exercer justice li contre Pharaon. Ça, c'est premier bagaille, l'on l'histoire. non? Il faut qu'on toujours gagner dans l'esprit. Bon Dieu voulait exercer justice li contre Pharaon. faut qu'on connaisse bien, bien aimé, Pharaon, ça qui est lié. Pharaon, c'est pas un homme innocent. C'est un homme qui t'a vive selon propre des que Ce n'est pas ton homme qui t'a vive selon plan bon Dieu. Pharaon, c'était un dictateur cruel. C'est un responsable de maltraitance, de oppression, peuple Israël t'a A À l'époque, peuple Israël, en esclavage, c'est une population d'environ un million et demi de, de personnes. Peb sa ke bon die terele soti avek Abraham, Lidya Abraham, a traver ou men pralgon grennasyon, lè yo an Ejip, pou yo rentre dan l'esklavaj, yo, o mouman de l'esklavaj, e historien rakonte ke se anviron un milyon edmi d'individu ki an ba l'opresyon de Fararon. E Fararon Ejipsyen yo, men bieneme, dan le seigneur, yo, yo te redu pep Israel la an esklavaj pondan 400 l ane, 400 an. E fararon, fararon se yon tit honorifi, genyen pluzior fararon, me nou gen pil rezon pou nou kwe ke fararon sa ya pale nan exod chapitwe 4 lan, se li men menm ki te ordone ke tout premye pitit moun Israel yo, premye pitit gason yo, pou yo, Passer par l'épée pour tout yé Exode 1er, verset 16, c'est Monsieur qui t'a ordonné pour passer par l'épée les premiers mâles des femmes israélites. Donc, le Napalé de Pharaon, il faut de qui est ce Napalé. Ce n'est pas un homme qui t'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a exécuté la volonté de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'est dans rapport de salut avec le Seigneur. Au contraire, c'est ton homme méchant. C'était un homme qui t'a pratiqué l'oppression. La parole de Dieu dit Bon Dieu endurcit cœur Pharaon. Et donc, bon Dieu endurcit cœur un homme qui est déjà méchant. Et nation que le t'a gouverné, le peuple d'Égypte, il n'a pas fait en rien pour y dresser contre méchanceté Pharaon. Et apparemment, nous avons gain, nous gain toute raison pour nous croire le peuple eux-mêmes y joui de criminalité de oppression pharaon té établi avec tout le monde qui est autour de lui parce que yota vive de prospérité sous d'eau peuple israël encore une fois plus passé un million monde que y aurait réduit à l'esclavage donc le fait par dieu bien-aimé d'endurcir le cœur de pharaon c'est pas y en, en façon pour bon dieu te fe men fararon nan perdisyon, pwiske fararon pat sou ou te salu, fararon te deja pedu, fararon te deja livre ke li, a ekserse sa ki fel plezi, fararon te deja nan kondanasyon, e se pwemye pwem ta remon konsidere, mwen menm avèk ou nou te ekzaktman nan menm kondisyon ak fararon, menm jan ak fararon, nou te fet nan perdisyon, De par nature, nous, nous tapons vivre dans la perdition. Et si c'est pas une intervention directe de Dieu, nous tapons en dans la perdition. Si c'est n'est pas miséricorde, bon Dieu, qui exerce envers nous, nous tapons en dans la perdition. Donc, le texte dit dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il faut que que nous ne pouvons pas les monde qui ont une possibilité pour le son monde qui est déjà condamné, bon Dieu, déjà décidé, il peut exercer justice contre Pharaon. Pharaon méritait tomber en bas jugement, bon Dieu. Même Jean-Moi-Même avec vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous méritait, nous mérité tomber en bas jugement, bon Dieu. Même Jean-Moi-Même avec vous, nous mérité tomber en bas le, 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 la, la justice de Dieu. La parole de Dieu enseignée dans Romains chapitre 3 verset 10 à 12 Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Pas de monde qui a cherché bon Dieu. Tout le monde égaré, tout le monde perverti. Pas de monde qui fait bien, le monde pas intéressé qu'on est bon Dieu. Condition pharaon, c'est condition tout le monde bien-aimé qui vivent, qui vit. Vive. Nous, nous sommes marcher dans la perdition. Nous tape marcher dans la désobéissance. Dans Jean chapitre 6, verset 65, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, dit C'est pourquoi je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Pas de monde qui a vu de moi. Pas de monde qui a rentré dans une relation de salut avec moi. Si ce n'est pas bon Dieu Papa qui exerçait miséricorde, qui relé mon ça. En d'autres termes, ni condition Pharaon, ni condition pas moi-même avec nous, c'est condition perdition. Là, nous pouvons rencontrer le Seigneur. Ça voulait dire tout le monde est en bas jugement, bon Dieu. Pharaon est guettant en bas jugement, bon Dieu. L Intervention, bon Dieu, t'es qu'à faire, c'est seulement pour faire Pharaon miséricorde. Bon Dieu, t'es qu'à faire Pharaon miséricorde, mais Pharaon t'est déjà condamné. Même je, si moi-même, avec vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si bon Dieu pas te fait nous grâce, si bon Dieu pas t'exercer miséricorde envers moi-même avec vous, pou nou menm ki nan rrelasyon de salu, pou nou menm ki se moun ne de nouvo, ki gen esperans la vi eternel, si bon Diyo pat fe nou grase me bien eme dan le Senyor, mwen menman avek ou, nou tap an ba kondanasyon, jujman bon Diyo. Donk se pwemye bagay mta remon konsidere, lor ap li teksa, bon Diyo ap ekserse justis li kont fararon. Et c'est la justice de Dieu. Parce que, j'aime dire, Pharaon, ce n'est pas ton homme qui t est innocent, pas bien innocent. Pharaon, ce n'est pas ton homme qui t'a suivi, vive selon la volonté de Dieu. Et donc, bon Dieu prend endurcir yon cœur, yon homme qui est déjà dans incrédulité. qu'on soit a suivi avec moi méditation, on dit Mais pasteur, pour qui ça, bon Dieu, endurci, yon cœur qui est déjà endurci? Pour qui ça, bon Dieu, endurcit un cœur qui déjà incrédule Eh bien, c'est deuxième point, Naboué. E, bon Dieu, bien aimé, voulait manifester puissance li aux yeux des enfants d'Israël. Pharaon, qu'il y a pas de sorti pour lui, en bas justice, lié en bas condamnation, lié en bas jugement, bon Dieu. Bon Dieu, qui est comment Pharaon a réagi de toute façon, Pharaon culte et détourné de l'Éternel, il était en bas condamnation. Même moi-même avec vous, nous sommes en bas condamnation, le nous de de bon Dieu. Qu'on y a bon Dieu pour utiliser situation ça pour manifester puissance li aux yeux des enfants d'Israël que le les Il le Il prall utiliser situation ça pour l inspirer la crainte aux yeux des enfants d'Israël. Il montré montrer Israël qui qualité puissance lui-même lui et comment le prêtre fait ça? Eh bien, le lit endurci cœur Pharaon vers quatrième à cinquième plaie. le lit excellent bien. Ou après, cœur Pharaon, Pharaon non, non hésitation. Bon Dieu fin fait première manifestation. Hein? Première plaie en manifester. Deuxième plaie manifesté. Troisième, quatrième plaie en Pharaon commence notre situation. Monsieur pas qu'à supporter. Vers la cinquième plaie, monsieur anti-Jean Fébril, monsieur commence à poser tête les questions, jean Allant est là, puissance, bon Dieu, il est insupportable, il n'y a pas qu'à gérer, il n'y qu a quitté le peuple à aller. Et c'est là ça, bon Dieu prend l'intervenu pour, pour endurcir qu'elle toujours. Ça veut dire que Pharaon était déjà mauvais. Vers la six, sixième plaie, bon Dieu prend l'intervenu pour, pour endurcir qu'elle davantage pour qui ça Eh bien, bon Dieu a besoin d'assurer tout simplement que Pharaon pas quitté peuple à aller trop tôt. Et pour qui ça, bon Dieu, pas quitter peuple à aller trop bonne. Il y façon, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour bon Dieu qu'a garanti plan que le Le plan le gagnant pour manifester puissance li, non seulement devant Pharaon, mais pour manifester puissance li aux yeux des enfants d'Israël, pour l'œil yotandez certes à qui passait Pharaon. Pour y apprendre que bon Dieu abservient, ce c'est pas n'importe qui Dieu, c'est un Dieu que vous doit marcher avec Lui, dans la révérence, dans la respect, dans la crainte. Donc bon Dieu pour l'utiliser situation hein, vers la sixième plaie, côté Pharaon a une tendance pour le bail vague parce que il vient pas qu'à supporter puissance bon Dieu encore, pas parce que le repenti non bien, bien aimé, pas parce que pas parce que le repenti vers sixième plaie Pharaon hein, commençait pas qu'à supporter puissance bon Dieu Bon Dieu prend l'endurci pour bon Dieu qu'aller jusqu'au bout de plan que le gagnant. Qui plan le gagnant Bon Dieu gain plan. Vous voyez, ce display sous Pharaon à l'egypte Display. Sinon, cinquième play en Pharaon voulait quitter le peuple. aller. bon Dieu dit non, ce n'est pas plan pour qu'on cap exécuter. C'est plan pas me cap exécuter. Pour qui c'est à dixième play son en vini bien-aimé Dixième play en songe histoire histoire bien. C'est côté petit. Tout premier né d'Égypte, tout premier né d'Égypte, mes bien-aimés, dans le Seigneur pourra mourir. Au ça me au début, c'est même Pharaon ça qui t'a ordonné pour tuer tout premier mal les, 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 les femmes d'Israël. Bon Dieu, c'est levier justice li li là. Bon Dieu, c'est traiter la traiter Pharaon en fonction de, de, de méchanceté Pharaon. Donc pas question que plan bon Dieu exécuté à moitié. C'est vrai, dans le cinquième plein, Pharaon a tendance à laisser le peuple aller, pas peur de la puissance de Dieu. Mais bon Dieu, bref, dit, non, petit papa, m'a exercé justice moins jusqu'au bout. Faut m'arriver dans le dixième plan parce que son fait fait pour payer le quand même. Non, petit papa m'a exercé justice moins quand même. Parce que... Mwen gen yon lot bagay ki pi gran map akompli dan l'histoire. Mwen jen Yisrael se premier pitit mwen se premier nem. Mwen gen yon lot pitit mwen gen pou mwen voye. Mwen vle asyre mwen ke plan mwen gen yon pou l'umanitean. Mwen kap vini yo kompran li. Mwen pral men el jiska la mor de premier fis. De tel sot ke l'on mvoye pitit pa mnen mouri. Pou tout mwen kompran klèrman depi nan ansyen testaman se men plan kap travay. Bien eme, mba kont sou komprend sa ka pase nan histwa lan. Bon dieu endur si ke fararon, paske bon dieu gon pou o gram lap deroule. Fararon pa repenti, fararon pa tap repenti. D'ayor, mem apre dizyem ple ya, le fararon we baga l'antropouli li di, oke, okay, nou met kite pepla ale. Nou batje pepla ale, eme so, ou konen sa kpase, bien eme, l'elfin we pepla ale vre, qu'elle tellement endurci par la méchanceté. Il dit, dit mais le, ça me fait là. Et puis il prend chariot, il prend militaire, il prend tout corps officiel. il partit des peuples là encore. Ça veut dire c'est au monde de toute façon, il es condamné parce que méchanceté envahit qu'elle. Et bon Dieu peut utiliser méchanceté qu'elle, pour l accomplir des pâle, pour accomplir plan pâle. Qu'on est l'homme dit en Proverbes chapitre 16 verset 4. C'est un verset que m'aimer citer. cité. Texte dit, l'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. En d'autres termes, monsieur ouais qui prend plaisir, n'en fait méchanceté, n'en fait abus, n'en fait oppression, n'en tout pisimoun. on pas besoin de fatigue, non bien aimé. Gonjou justice bon dyo ap manifesté. Mèchant de fwa li konpense ke se li mèm ki gen kontrol. Li gen mwayen pou l'deside de la vi e de la mor de kikonk. Mè lese mdou li an verite an verite sal pa konen. Bon dyo gen kontrol li mèm nan mèchant stèl lò. Bon dyo bay fararon posibilite pou l'alè pi lwen. Le köl ta vla febli la ple, a la sènkye mple pou l'ta ki te pepl a alè. Bon Diyo di nou mpoko fini, plam nan mpoko fini deroule. E bon Diyo pral endur sikel apre 5e pleyan, pou li men bon Diyo karive nan 10e pleyan. Bon Diyo bon leson la bay fararon, leson de justis. An menm tan la ensegnye a pep Israel ki kalite bon Diyo y ap servi. Puissance mirak bon Diyo ap opere ou bien eme. Il te doit manifester pour le peuple connaître qu est. qui est-ce qui l'éternel des armées. Et donc, Pharaon, non situation à côté, il doit faire face au jugement de Dieu. Mais dans qui sens, bon Dieu, endurcit le cœur de Pharaon? Le nous lit dans Romains chapitre 9, verset 17 à 18, m'appelle le pour où? C'est l'apôtre Paul qui a parlé, m't'aimé, sous titre en sans pour lire chapitre 9, dans Romains. Mais ça dit, bien-aimé, car l'Écriture dit à Pharaon Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est bon Dieu même qui suscitait Pharaon. Côté monsieur, t'as lâché prise. Bon Dieu dit Non là pour manifestation puissance moins. Et pour tout le monde, qu'a connaît qui est-ce qui l'éternel des armées, L'histoire a retenu nom tant qu'on Dieu puissant. Et Texan dit-nous, mes bien-aimés, que Pharaon vient endurci, il pas quitté Peuple à aller, jusqu'à ce que dixième plaie arrive, c'est le le pral quitté Peuple à aller, à ce stade. Peuple a été une idée de qui est l'éternel Dieu. Mais pas grand, rien qu'à changer pour Pharaon. Parce que même après le fin qu'il a le peuple à aller, il pourrait courir d'elle encore. Donc, bon Dieu endure si que Pharaon, pour manifester la puissance, à la fois dans les yeux Pharaon à tout le peuple égyptien et dans les yeux le peuple Israël qui peut qu connaître qui est bon Dieu. Et troisième raison qui fait bien aimer, Bon Diyo an dursi kèr faraon mtè dil li an pasan, men ma protounen sou li. Bon Diyo gon istwar la pekri, gon plan kap deroule, bon Diyo gon programe men bien eme dan le seigneur. Si plan bon Diyo patrive dan dizyem pleyan, sa nou rele jodi an la pak, li pat ap egziste jan nou konen lan. Paske sa pak lan ye, bien eme, sou sonje istwa, istwa biblik ou bien, la pak se o moman de dizyem pleyan, les anges de l'amour ont le passé pour le frapper les premiers-nés d'Égypte l'Éternel Dieu par Moïse instruction pour le peuple israël mettez mettez sous caillot le sang d'un agneau et l'ange de l'amour a passé pour le frapper les premiers-nés d'Égypte la ouais sang sous l'intocaillo la sauté caïsa la épanier premier-né qui dans Men koman la pak instituye, sa angle an tradu pi bien, li rele l'pass over, pass over the house. Ka e ki gen maksan, sote l, zanj lan mou a pa frape l. Si plan mou diyon pata le jisk obou, nou pata genyen sa nou genyen kom la pak jodi an. Men li ale pi loin dan l'histoire, bien eme, Le Jésus notre Seigneur, il vint pour mourir sur, sur le bras du calvaire. C'est lui-même qui concrétisait pâques là, c'est lui-même qui bâille pâques là toute force li. Donc, dans l'Ancien Testament, ça juifioté fait, la il était mis sur l'intocailant, c'était une préfiguration de sa crise pral pour moi-même avec vous. Il mourir une fois pour toutes. San li verse sur le boi du kalver. De tel sot ke le mwen menm avek ou mette fwa nou nan li. Le zanj lan mou a ap pase. Li pap detwi la vi nou. Si dizyem ple apat akompli nou pat ap ka kompran ni jan kompran ni jodi an. Se le programe de Diyo kap akompli. Bon Diyo gon plan la elabore. Se sa ke fe ankor un fwa. Proveb 16. Fokin betek san. Diyo a tou fe pou an bu. Bon Diyo. Dieu a tout fait pour un but. Mon Dieu t'a créé Pharaon pour un but. Qui ça nous doit retenir de tout ça par rapport à notre salut par la grâce? Bien-aimé, moi-même avec vous, nous sommes dans la même condition pharaon en nous pour accepter le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, et nous dit tout le texte pour nous dans Ephésiens 2. n'a le verset 1 à 7. Nous presque fini. Ponti patience avec nous. Texampo, et me content, pasteur, nous, te donner un bel moment d'étude dans le livre, ça Éphésiens. Ephésiens. Texampo, Ephésiens 2, verset 1 à 7. Prêtez attention, Pablier et Mabzou, nous sommes en même condition avec Pharaon. Mais ça texte dit, bien aimé, vous étiez morts par vos offenses, vous et moi. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, des enfants, c'est-à-dire, sous le jugement, des enfants de colère. Comme les autres. Verset quatre. Mais Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Le moi même avec nous, ton paquet de pharaons, que nous t'es endurci par la méchanceté, que nous t'es endurci par le péché, nous t'es vivre selon les convoitises de notre chair, nous t'es accompli propre volonté, nous, fait ça nouvelé. nous voulons, nous dit, nous c'est mettre tête nous, nous grand monde tête nous. C'est ça, c'est nos conditions, ça nous est, nous t'es vivre selon nos propres, propres désirs. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous t'es mouris, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Moi même avec vous, nous t'es mouris. C'est justice, c'est jugement qui en nous. J bon Dieu t as prêt à exercer justice, -li. Bon Dieu, trois fois séant, pas supporter le péché, et nous-mêmes ça nous fait ses péchés. Mais l'Ipral un plan pour le retirer nous-mêmes bien-aimés dans le Seigneur en bas condamnation péché. Au verset six, le texte nous dit, Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Si qui était dans mon il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En qui En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ça que fait le NAP confesser que c'est par la grâce que nous sauvés. Nous pas dans mérite, nous-mêmes chrétiens. Nous toujours aimés préciser. C'est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons nous, rien fait pour ça, bien-aimés. D'ailleurs, le texte exode-là, ce n'est pas dans la nature de l'homme pour le grand cœur qui l'ouvrit à la parole de Dieu. Hein? Non, non, que l'homme pas gagne pas comme ça. Jérémie 17, verset 9 à 10 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ke lom nan li mechan, li pa gan ken aspirasyon pou l konen bon Diyo. Si se pat bon Diyo ki te diyon moun pou mwen mou men ma avek ou. Si se pat bon Diyo ki te nan mizeri kod li bien eme, ki te penche ver nou, mwen men ma avek ou, nou tap kondane. E se exakteman sa ki rive fararon, bon Diyo seulement exerse justice li. Bon Diyo bay fararon, sa fararon merite justice. Justis kont mechans tel te kon a fe. Mwen men avek ou se men justisan, bon Diyo tap exerse kont nou. Sil pat fe nou gras, se sa fe Kris te vin mouri. Le Kris mouri, tout jujman bon Diyo ki tap pral tombe sou nou an, Kris pran l sou li men bien eme dan le Senyor. E mta remen nou chak ki sou li nan nou kompran ni, ou bien nou medite davantage sou li. Nou men ki kretien ne de nou vokap servi le Senyor, Ce n'est pas parce que nous pibons passer l'autre, nous ne payons pas bagaille passer, c'est tout simplement grâce, bon Dieu, nous recevoir. Nous sommes les récipiendaires de la grâce de Dieu. De telle sorte que nous, qui soulignons nos bien-aimés dans le Seigneur, qui fait la paix avec Christ, nous pas qu'à frapper l'estomac, nous que nous pibons. Nous pas qu'à comporter nous comme si c'est nous-mêmes qui font bagaille pour propre tête, nous. C'est miséricorde. C'est miséricorde. Dévelez, bien aimé, retourner sous doctrine fondamentale, ça, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu, afin que nul ne se glorifie pour personne pas battre l'estomac. Est-ce qu'on comprend ça qui fait le nous réunir le dimanche matin, n'a pas adoré le Seigneur, nous adorer avec toute force, nous? Est-ce qu'on comprend ça qui fait le nous ensemble, n'a pleurer le Seigneur, nous louer avec un sentiment de, de profonde gratitude? Paske nou rekounet, se grase bon dieu fe, nou nou pa wanyen. M ap fini sou pon sa, gen moun ki kap petet panse, avan m te aksepte le seigneur, m pat pi mal ke sa paste. M pat kon vole a fe moun, m pat kon touye moun, menm jak faron, m, m pat kon fe sa faron fe, m pat mette moun an esklavaj, m pat kon oprime moun. Gen moun se refleksyon sa ou fe, m ton bon moun, m te vive selon la moral. Ou kon sa moun sa fe, lèl fe sa, li simpleman ap di, mte mouri men pat fin mouri net. Te sa moun ap di, oui, paske le tekst me di klèrman, avan nou te konen le seigneur nou te mouri. Se kom si moun ap di, ou men mou te pi mouri pase, paske gen, gen, gen baga wafen pat kon fe. Si, si gen logik nan sa, maki tou reflechi sou sa, pou moun dadou li, li te pi mouri ou moun ou te pi mouri pase, lèl. Pas de mourir, mes bien-aimés. Selon le standard de Dieu, nous tous nous sommes mouris. Nous tous nous sommes mouris. Peu importe le passé, nous, peu importe le rang social, nous, peu importe côté nous sortir, nous une sortie. Nous sommes peut-être un bon monde pour la société. Mais dans yeux bon Dieu, nous sommes mouris. Mais par sa grâce, dans sa miséricorde, il nous a ramenés à la vie. D'arrêt, au printemps, pour méditer sur ça. Et si d'aventure, t'as as gagné un monde sous Ki pou kou konen grase, bon dieu. M'su e serten ou solignan pou yon rizon. Bon dieu vle pale avek kèw. Tande vwa, bon dieu, ka frapen nan pot kèw. Paske dezir, bon dieu, se pa pou peri. Dezir, bon dieu, se pou vini a la repentans. Si ou la, mwen kou el sincèrman. Ou ap tande meditasyon, sa se pa yon azar. Tande la vwa du seigneur ka frapen nan pot kèw. Li pavlo mouri, li pavlo peri. Li te vini pou gen la vi. Dites vini pour gagner accès à bon Dieu, Papa. Ouvrez cœur, acceptez rentrer dans la grâce qui est offerte gratuitement. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse.